Hello, I am Krupali and I hope you all are doing well. Today I invited Spencer to share his journey with us. He is coming from Gabon, Central Africa. He is my colleague in Institute John Lemur and he is favorite among all because he is very jolly and keeps the surrounding alive in our lab. So let's listen Spencer's journey from Gabon to France. Je suis Biduba Sanvanidor Spencer, étudiant en thèse à l'IGL dans l'équipe micro et nanosystèmes. J'ai obtenu mon master en optique et laser à l'Université des sciences et techniques de Massoukou au Gabon. Et juste après, j'ai pu rejoindre l'IGL pour la suite pour ma thèse. Comme je le disais, je suis membre de l'équipe 405, micro et nanosystèmes de l'Institut Jean Lamour, qui depuis plus d'une vingtaine d'années étudie les ondes acoustiques de surface, les ondes acoustiques en général de surface et de volume, donc notamment pour des applications capteurs, capteurs de température, systèmes étirables et autres. Et depuis peu, notamment, on utilise également les ondes acoustiques de surface en tant qu'actionneur. Et c'est dans notamment cette partie que ma thèse se place. C'est une thèse en collaboration avec une autre équipe de l'IGL, une équipe de biologistes. Donc la thèse en elle-même consiste à étudier en fait l'interaction des ondes de surface et les liquides, donc liquide en goutte, ça peut être en goutte ou dans un canal. Et pour les biologistes, ce qui est intéressant, c'est notamment lorsqu'ils mettent des cellules dans le liquide, comment l'onde influence le liquide, qu'est-ce qui se passe concrètement. Nous allons plus le détailler lorsque je vais parler concrètement de mon sujet de travail. Donc c'est ce qui intéresse concrètement les biologistes et c'est une branche notamment ce qu'on l'on veut regarder, notamment les effets, c'est la mécanobiologie, donc connaître les contraintes qui s'exercent sur les particules suite aux effets de l'onde. Alors concrètement mon sujet, comme je l'ai dit, c'est regarder en fait l'interaction c'est la simulation de l'interaction des ondes de surface et des liquides dans lesquels on met des particules. Et les applications, c'est plus dans le domaine de la biologie, afin de connaître les contraintes de cisaillement qui s'exercent sur les particules, la pression acoustique, car ces grandeurs, on ne peut pas les quantifier expérimentalement. Donc, suite à ça, je mets au point des simulations. Donc, pour mettre au point les simulations, il faut d'abord bien prendre en compte l'aspect théorique, les équations qu'il y a derrière, pour pouvoir les implémenter dans le logiciel. Et notamment, je travaille sur COMSOL, Multiphysique, qui est un logiciel de simulation multiphysique. Alors, c'est ce que je fais. Et notamment, qu'est-ce que se passe en général pour la compréhension du phénomène. Lorsque notre onde elle est générée sur l'actionneur qui est un substrat piézoélectrique sur lequel on a placé des électrodes, donc en appliquant une tension, il va se créer une déformation sur le substrat et cette déformation va générer une onde de surface. Cette onde interagit avec le liquide. On a un effet visible, on va dire, qui est notamment l'impact du champ acoustique sur le liquide. Et on a un effet notamment qui n'est pas assez intuitif. Et c'est cet effet qui nous intéresse, qu'on appelle l'acoustic streaming. C'est en fait quoi? Il résulte en fait du gradient de pression, donc la différence de pression qui va se créer au sein du liquide et cela va entraîner un mouvement de tourbillon dans ce liquide. Et donc par rapport à cela, pour les biologistes,
Lorsque des particules sont mises dans un liquide soumis à la couche streaming, il va avoir des effets de contrainte qui vont s'appliquer sur les particules. Et cela peut modifier l'état interne des cellules. C'est notamment ce qui est intéressant pour eux de pouvoir quantifier. Donc moi, concrètement, ce que je fais, c'est mettre au point des simulations qui permettent de prendre en compte ce phénomène. Alors, question très pertinente. OK, quand j'ai décidé de me lancer dans la recherche, ben concrètement, on va dire, lorsqu'on arrive à l'université, première année, mon projet, c'était finir mon master, chercher à peut-être à faire une formation à côté pour devenir un ingénieur ou intégrer une société et me former dans le tas. Et on va dire, plus on avançait, plus on a plus pris conscience des réalités ben, par rapport à mon pays, je le dis bien, par rapport à où j'étais au Gabon, ouais, on a pris plus conscience des réalités. Et mon amour pour la recherche, il est concrètement, on va dire, son Master 2. En Master 2, bon, j'ai fait Master Recherche en optique et laser. Donc, comme il se doit, on fait le cycle. Il y a des projets. Donc, pour mon mémoire, j'ai travaillé notamment sur la fibre optique. Donc, on a regardé les effets d'os supérieurs. En fait, ce sont des perturbations qui ont lieu dans la fibre optique lorsque la lumière se propage, donc qui vont dégrader fortement le signal. Donc il fallait notamment trouver un moyen de limiter ces effets afin d'avoir un signal moins dégradé. Je fais comme une répétition, mais c'était à peu près ça. Donc, suite à ça, c'était un sujet assez intéressant. Avec mon encadrant, ben, on s'est lancé. Ben, on a eu des résultats assez satisfaisants. Et je veux dire concrètement que c'est de cette expérience qui est vraiment née mon amour pour la recherche. Je me dis, ben, pourquoi pas faire une thèse si ça peut être aussi passionnant que ça. Je ne me suis plus, quoi. Et voilà, j'ai décidé de faire une thèse juste après. Alors, comment était la vie chez moi? Ben, on va dire, comme tout étudiant étranger, chez nous, on a nos familles, on a la majorité de nos amis d'enfance. Ben, en tant que, je ne sais pas ma vie, comment la situer. Du primaire à l'université, concrètement, je pense que ben, je me suis quand même bien épanoui, hein, vu que j'ai ma famille, j'avais des amis et tout. Voilà, quand, bon, ici j'ai des amis, hein, je ne dis pas qu'ici j'en ai pas, mais ben, ouais, elle était pas mal. Hein, voilà, ce sont des moments de notre vie qui ont fait de nous ce que nous sommes. Qui ont permis de forger le caractère, c'était super. Alors, franchement, déjà, quand j'arrive, je me dis, ben, super, là, j'ai pas de barrière de langue, vu qu'on va dire, au Gabon, nous avons concrètement une cinquantaine d'ethnies. Et imaginez 50 personnes, 50 langages différents et tout, ben, on peut pas se comprendre. D'où le fait que la langue maternelle du Gabon, c'est le français. Donc je me suis dit, ah, super, ben, je vais en France et tout. Donc pas de barrière de la langue. Ben, on a quand même assez des cultures assez différentes quand même. Hein. Oui, c'était quelque chose de nouveau pour moi et tout. Parce que
Déjà, concernant l'architecture, ben, chez nous, on a des gratte-ciel et tout, mais bon, pas des gratte-ciel, des immeubles dans des zones assez huppées et tout, mais l'architecture en elle-même, le design, ouais, il y a une différence. Donc, c'était ce premier moment-là, le design, c'est un effet de waouh, voilà, c'est le nouveau, quoi. C'est nouveau, on découvre des nouvelles choses, voilà, on est émerveillé, quoi, devant, voilà, devant tout ça, quoi. Et il y a ça, et aussi le fonctionnement même de la société. Déjà, le fait, bon, on a pratiquement tout sur abonnement, hein, pour travailler, il faut un numéro de sécurité sociale. Donc, il y a toute cette étape-là, toutes ces étapes qui font en sorte qu'il y a certains déphasages par rapport à d'où l'on vient. Mais comme on dit, c'est bien d'apprendre l'autre vie, c'est bien de voyager, de découvrir, c'est beau, quoi. En fait, en découvrant des choses, on apprend à forger des parties de nous-mêmes. Alors, concrètement, comme on le dit bien, hein, une bonne santé, il faut bien pratiquer le sport, il faut bien s'alimenter et autres. Donc, en termes d'activité, concrètement, je suis un bon sportif. Hein, peut-être que ça ne se voit pas, mais je le suis. Bon sportif. Donc, du sport, je fais quoi? Je fais de la danse. De la danse un peu depuis fort longtemps. On regardait, j'étais un peu fan de danse urbaine quand j'étais plus petit. Hein. Donc on regardait bien les grands frères, on aimait un peu imiter tout. On trouvait ça classe, quoi. Donc on a appris à avoir du rythme et tout. Voilà. Danse urbaine, ça, bon, on va dire un peu naturel et tout. Et ici, ben, concrètement, j'ai ajouté en thème de danse, j'ai ajouté la salsa cubaine et tout. J'aime bien le mouvement, c'est festif, c'est voilà quoi, ça nous aide un peu à nous évader. Parce que concrètement, lorsqu'on fait de la recherche à un moment donné, on a besoin de faire autre chose pour un peu libérer le cerveau. Donc, il y a ça, il y a de la salsa cubaine. Ben, c'est dommage que j'ai un peu arrêté parce que ben, je le faisais au SUAP et là ben, ils vont reprendre les activités d'ici là. Donc c'est notamment la Covid qui a limité les activités. Donc hormis ça, je fais aussi un peu du football les week-ends, juste histoire de garder la forme. Je fais à la salle de sport, un peu de cardio, juste un peu de muscu. Le but, c'est pas de devenir Hulk, hein, donc juste un peu, quoi, histoire de garder le tonus et tout. Et en dehors de ça, je suis un bon passionné de cuisine. J'aime bien préparer. Ben, le week-end, je suis pas du genre à prendre pizza, non. Le week-end, je m'assois tranquillement en cuisine. Ben, je prends du plaisir à découper mes ingrédients, à préparer ceux de janvier. Voilà, quoi. Un bon cuistot aussi. Alors, un conseil à ceux qui veulent faire de la recherche. Je dirais que ben, la recherche, déjà, c'est une histoire d'assiduité, de travail acharné. Parce que, comme on dit, derrière tout mérite, il y a un travail à fournir. Donc vraiment, pour faire de la recherche, il faut déjà être apte à donner de votre temps. Pour travailler, parce que c'est pas toujours évident. Pas évident pourquoi? Bon, exemple de mon cas, et c'est que notamment le cas de tous, lorsqu'on fait de la recherche, on vient sur un sujet, on va dire, qui est nouveau. Donc le sujet étant nouveau, c'est à vous de trouver des éléments qui vont amener à des résultats. Donc du coup, derrière ça, il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a des logiciels à apprendre,
il y a des formations pour être apte à utiliser certaines machines. Donc, il y a tout un travail acharné qui est là derrière. Et moi, j'ai dit, ben ouais, celui qui voudra faire la recherche, ben, ce que je dirais, c'est juste, c'est le travail, quoi. C'est le travail acharné qui y a là, ben voilà, quoi. Et ben, après, tu diras, quoi. Alors, la procédure, notamment pour juste après un master pour intégrer une thèse en France, bah, personnellement, c'était des recherches que j'ai eu à faire bah, sur des sujets de thèse. Et une fois bah, j'avais des sujets, j'écrivais notamment aux professeurs. Et ben, il y a aussi des amis qui tenaient la boucle, je disais, ben, essayez de voir si vous avez des sujets qui sont proposés là-bas. Donc, vous mettez en relation avec les gens pour proposer des sujets, et puis, ben, voilà quoi, on pourra échanger. Donc, notamment, ce sont les deux méthodes concrètement que j'ai eu à appliquer, parce qu'il faut dire que dans le système d'accompagnement pour la thèse, il n'est pas comme celui qui se fait en master ou en licence et autres. Parce que pour ceux des licences et masters, ils ont notamment une plateforme qui est là, qui les aide dès le début, en fonction de leurs moyens et autres, à obtenir des écoles ou des universités Campus France. Ben, pour la thèse, c'est différent, c'est à nous de trouver la thèse, à nous de trouver le directeur avec une thèse proposée. Et c'est juste après que on va à Campus France pour finaliser la procédure. Donc, notamment suite à mes démarches, j'ai pu avoir deux propositions. J'avais une à Dijon qui était proprement dans les lasers et optiques. Et j'ai eu une ici à l'IGL voilà, qui était dans la micro et nanosystème. Donc pour choisir, ben, c'était notamment durant les échanges que voilà, je me suis décidé à venir à l'IGL. Et comme j'avais déjà des gens que je connaissais sur Nancy, pour moi le choix était plus facile.